Salut à tous, c'est Leroto, bienvenue dans le Wos Crew de 13. Ça y est, nous voilà dans les deux dernières, dans les deux derniers niveaux. Ici, on va devoir empêcher l'opération rouge totale d'aboutir. Cependant, Jason Fly pense que Wax est le numéro 1. Est-ce vraiment le numéro 1? On verra ça. On arrive par ici. Hey, le colonel Marshall, là-bas. Au secours, libérez-nous! Faites attention, ils sont nombreux! Ici, un arsenal complet. Alors ici, on va... Hop, recharger, et là, c'est parti pour la boucherie. Sont en place aux alentours des centres stratégiques. Préparez-vous à déclencher l'état d'urgence. On est parti. Ouh là là, ça tire de partout. Là. Numéro 13. Écoutez-moi, on peut encore négocier. Il y a un GI qui s'était... Alors où sont les derniers? Ah non, c'est pas là. Alors... Il va falloir remonter. Hop, on va un peu plus vite avec ça. On y va. Non, là c'est justement le code qu'il va falloir, pardon, avec... avec Galbrain. Moi je n'ai pas la carte. Il va falloir... Oui, mais je suis bête, il faut monter l'escalier. Enfin. Allez, on y va. Ici, on va donc monter à l'escalier là-bas. Hop. Numéro 2. Et voilà, donc là, nous ne savons pas qui est le numéro 1. Ici Carrington. On a retrouvé Galbrain, mais il est inconscient. Personne à part Sheridan ne connaît le code d'accès à la salle des missiles. Trouve-le et arrête le processus. C'est votre unique chance de survie. Hop, ici, on va prendre la carte. Il y a un véritable arsenal nucléaire sous nos pieds. Venez, il faut quitter la base. C'est trop tard. Donnez-moi le code d'accès, vite. Le code? Par ici. Yep, donc là, faut suivre Sheridan. Si je m'en sors, je me reconvertis dans le marketing. Yeah.
Un PH-624, c'est ça ! Hop, ça à vous de jouer. Hop. Donc là, on va continuer la vidéo tout de suite. Donc là, faut annuler le processus, il va y avoir un timer. Donc alors, faut que je me souvienne, c'est par là. Non, c'est pas par là. Voilà. Faut descendre. Non, ça dernière phase du processus enclenché. Hop. Alors vite. Là, voilà. Hop. Non, c'est pas bon. Je suis tombé. Allez, vite, on recommence. Là, faut descendre vite. Dernière phase du processus enclenché. Voilà, hop, vite, faut tout traverser. Vous voyez, on a 2 minutes à peine avant que ça explose. Escalier. Pour la salle des contrôles. Vite, il me reste un peu plus d'une minute. Un peu moins d'une minute trente. Faut se dépêcher. Hop, donc là, control room. Ça va se fermer, je vais tout de suite sur le côté. Hop. Là non, donc c'est de ce côté forcément. Non. Ah, il est où ? Il n'y a pas une... Ah, elle est là, la gueule. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, je crois que je vais être court. 40 secondes, ça me semble court, mais ça va le faire. Allez, allez, on va y croire. J'ai vu ça. Allez hop, vite. Destruction de la base imminente. Hop, et voilà, le processus est processus arrêté. Processus annulé. Donc là, je vais repartir. Hop. On va recharger. Stock de munitions plein. Stock. Bon, c'est parfait. Alors, on va par là. Et là, on va rencontrer la mangouste. Chainbot. Parfait. Le boss final. Tiens, tiens, numéro 13. Ou bien Jason Fly, peut-être. Il serait temps de mettre un terme définitif à notre relation. Qu'en penses-tu ? Il est chaud. Il a frappé sur son arme. Il est partant, c'est parti. La mangouste. Aller vers lui. Je perds pas mal de vie. On va prendre l'artillerie. Prouve-moi si tu es si malin.
que la Jones nous aide. Vraiment, faut vraiment être près de lui. Faut pas tomber quand même. Allez hop, on remonte. Alors, j'espère que c'est bien réparé de l'autre côté, sinon j'ai... Alors je refasse le tour, hein, c'est pas grave après tout. Non, c'est bon. Dieu merci, tu es en vie. Amène-toi, on se tire d'ici. Félicitations, mon garçon. Ça va, Wally ? Je n'arrive pas à retrouver mon calme. Nous sommes vraiment tirés d'affaire ? Je crois bien. Et voilà, mission accomplie. On va finir cette vidéo, on va même le dernier, on va le faire dans celle-là. Nous sommes invités sur le même bateau qu'au début, au tout début où nous étions en fuite. Hop, on va sauvegarder et on va terminer ça. Justement, le voilà, Jason Fly, notre héros national. C'est un honneur. Comment vous trouvez mon nouvel uniforme? Alors? Moi, je vous trouve terrible. Je sais. Et toi, tu t'es rasé avec une biscotte? Jones, vous êtes impayable. Je sais. Pas très bavarde, hein? Carrington est impatient de te retrouver, vas-y. Ensuite... J'aurai des révélations à te faire. Hop. On va voir un mot, c'est Garrington. Ah, le voilà. Bah, où est ton smoking? Bonjour, Fly. Ravi de vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Tous à l'avant du bateau!
c'est Wally. Il faut qu'il voit ça. Oui, allez donc le chercher, Fly. Voilà, faut trouver Wally Sheridan. Non, c'est le côté. Et là, on va avoir pas mal de révélations. Vous avez... Attendez, Kim avait l'occasion de nous liquider. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Et là, regardez. Ici, la mangouste. Je répète. Ici, la mangouste. Numéro 1. Est-ce que vous m'entendez? Ici, numéro 1. Je vous reçois 5 sur 5. Tu le vois? Qui est le numéro 1? Vite! Et là, regarde. Le feu d'artifice n'est peut-être pas à votre goût, Monsieur Fly. Donc il n'y aura pas de suite hein, de ce jeu, malheureusement. Ça aurait été excellent, mais bon, j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'en fait cette scène, voilà, cette scène-là que nous venons de vivre, est en fait la première scène du jeu. C'est-à-dire que on arrive à s'échapper du bateau, voilà, avec le poste de secours, etc. Et je pense que cette scène, en fait, est le prélude de la première scène du tout début du jeu. Donc en fait, un peu comme il est amnésique, il ne sait pas trop. À la limite, en fait, est-ce que ce jeu n'est pas justement ses souvenirs? Bon, voilà, c'est juste une théorie, mais je pense qu'elle a lieu à débat, quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce Wolfsrow sur 13. C'était très agréable pour moi de jouer à ce jeu, c'est excellent jeu. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Ciao, bye bye.